Salut les fines bouches. Aujourd'hui, on va faire un plat hors communauté européenne. Mais un plat que tout le monde a déjà mangé au moins une fois et que personnellement j'adore. Je me suis testé à le faire et j'avoue que ce que je fais ne ressemble pas forcément à l'original, mais en tout cas c'est très bon. Et surtout, vous allez voir que c'est très facile. On va faire un poulet à la sauce aigre douce. Comment on fait ? Eh bien, c'est très simple. On va commencer par présenter les ingrédients, à savoir du poulet, du blanc de poulet. On a besoin d'un oignon, de miel, de tabasco, de sauce soja, de ketchup et des graines de sésame pour faire à la fin. Un petit peu de farine. On attaque la recette. Allez, on attaque. On va donc commencer par hacher notre oignon. On va prendre l'huile d'arachide qu'on va mettre dans le fond d'une poêle. Dès que l'huile commence à chauffer, on met notre oignon dans la poêle. Et on va le faire revenir lentement. Pendant ce temps-là, on prend notre poulet. On va le couper en morceaux. Le mettre dans un récipient. Quand le poulet est coupé, on prend de la farine et on va singer le poulet de façon à ce qu'il y en ait partout sur toutes les faces. Là, on va mettre, au bout de 3 minutes, les oignons, on va mettre le poulet. Et on va le faire dorer, en tout cas revenir pendant 5 minutes. Je débarrasse ça. Quand on met le poulet dans la poêle, on augmente un peu le feu. Et ensuite, on va préparer ce qui va devenir notre sauce. On va prendre les 120 g de ketchup. Dedans, on va mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sauce soja. On va mettre une cuillère à café de tabasco. On va mettre une bonne cuillère à soupe de miel. Donc là,
Là, on va remuer donc tout ça. On va baisser le feu et on va mettre notre sauce dans la poêle. On va aller sur feu doux. Et on va cuire ça 10 minutes. A tout de suite. Donc le poulet a cuit une dizaine de minutes. La sauce s'est réduite, a un peu épaissi parce qu'elle a récupéré la farine qui était sur le poulet. Tout va bien. On va couper. J'ai préparé un petit peu de riz. C'est conventionnel, mais bon. Et on va donc servir le poulet à la sauce aigre douce, juste à côté. Par souci à la fois d'esthétique, mais aussi de goût, on va recouvrir ça de graines de sésame. Et là, il n'y a rien à dire. En tout cas, ça y ressemble. Et au niveau du goût, moi, je sais que c'est bon. Voilà les fines bouches. Ne m'en veuillez pas trop si je me suis risqué à passer les frontières. Mais on a le droit d'aimer un peu ce qui vient d'ailleurs. Et donc, de transmettre son amour pour ce qui vient d'ailleurs. Moi, c'est un plat dont je raffole. Et je voulais absolument que vous le sachiez et que vous le tentiez. Donc, à vos fourchettes, à vos baguettes, et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?